Voyez, quand Jésus est descendu en enfer et a dépouillé le diable, il explique comme ceci qu'il est allé seul. Personne n'allait avec lui. Ésaïe 63,4 déclare ceci, « Car je songeais un jour de vengeance. » Depuis que le diable s'imposait à Adam, il a trompé Adam et a pris l'autorité qu'Adam avait, et avec cette autorité, il nous opprimait, mais Jésus l'a vaincu. Ce jour de vengeance était dans son cœur. Et l'année de ma rédemption est venue. Elle est déjà arrivée, mon frère. Nous avons été rachetés. Vous n'avez pas à dire « Jésus, guéris-moi ». Jésus, merci pour m'avoir guéri. Mal, tu vas sortir de moi maintenant, au nom de Jésus, je l'exige. Je l'ordonne, je termine, dehors, au nom de Jésus. Et là, le mal va sortir de votre vie. Il faut être fort comme cela, mon frère. Voyez ce témoignage. Un AVC. Un an que j'ai eu un AVC. Un an. Paralysé. Je suis resté avec mon bras, ma jambe. Vous ne le leviez pas seul. C'est ça. Non, juste cela. Que jusqu'ici. Oui. Voyez ça, mes amis. Un an qu'il y a eu un AVC. Levez les deux à présent. Ok, bonne chose, mes frères. À présent, je prie avec vous. Père, cette personne a appris à être forte. J'unis ma foi à la sienne, je vais donc expulser. Je vais ordonner que la même intonation que j'ai ordonnée, cette douleur, cette maladie incurable qui est entrée en elle, mal, je dis, sors, maintenant, va-t'en de là, c'est maintenant, mon frère, au nom de Jésus. Et vous dites, Amen.